Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Le retour de Taverne Master, bien sûr, un let's play incroyable. Hein. Vous en pouvez plus le regarder, hein. c'est trop bien. C'est forcément trop bien. Demain, pas d'événement. Tac. Il m'a dit que des plats principaux, je crois. On a Kate. Que des plats principaux. 450 litres de la picole. Et nous sommes pauvres comme des cailloux. Oh là 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 là. On est si pauvres. On est si pauvres que je suis en train de me demander si mes cuisiniers ont besoin d'éclairage. Et si au lieu d'éclater des vieilles bougies nulles. Bon, pff, moi 1000 balles. Bon, laisse tomber. L'auberge qui est trop petite pour accueillir des gens. C'est pas assez rapide là. Plus vite, de la thune. Attends, le personnel prend son poste en haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Oh, lui, il est là, tranquille, avec son verre d'eau. Il sert à rien d'autre. Il y a que lui qui sert. Puis c'est tout. J'ai pas assez d'argent pour tout remplir ici. Ils sont bêtes ou ça se passe comment? Ah, ou alors il me fait le solde des deux bars. Ok, non. Ok, I know. J'ai la ref. Tout coûte une blindasse, aucun intérêt. Aucun intérêt. De toute façon, en termes de planning, je crois qu'on est chargé. Donc on n'a pas grand chose à faire là, à part laisser couler la journée. Là j'arrive à accueillir tout le monde. Par contre là c'est une dinguerie. Hein. Ouais là c'est une dinguerie en termes de personnel. Ouais il va tout seul, c'est cool. Prenons une autre vendeuse. Cool, l'autre là aussi il vient servir des verres d'eau à la tonne. J'ai tellement pas assez de serveuses. Embaucher plus de serveuses. Plus. Plus de serveuses, plus vite. Plus vite. Oh. C'est pas assez rapide. Vite. Les spéciales. Jusqu'au poteau, des lignées de serveuses. Tac. Place supérieure, 3 étoiles. Par contre, les sbires, faut participer. Hein. Moi, je souffre financièrement. Là. Vous êtes beaucoup. Hein. Pas oublier. Hein. Léopold, faudrait penser à le financer aussi. Son nouveau couteau de combat. Ouais. Faut que je me mette en mode meuble pour déplacer les employés. C'est super chiant. Alors, non, attendez, on a les raccourcis pour le faire. Hop, je t'attrape toi. Paf. Tout service passe en bas. Il hein. N'y a pas de... En haut, ça n'existe pas. Voilà. Hop. Tac. Et tac. Allez, il n'y a qu'une salle, c'est pas compliqué, hein. Vous trouverez le bout, vous inquiétez pas. Voilà. Récupérer toute l'escadrille de serveuses. On commence le jour suivant. On est ruiné.
Mais genre ruiné, hein, pas un peu. Hein. On est fauchés. Direct. Tous les clients étaient servis. Ah, il y avait y a un événement aujourd'hui. Ah, c'est la fête du slip. Le fameux, le classico. Fête du slibar. Le classique des familles, comme on l'appelle dans le milieu. Excellent. Bah, faut faire des thunes parce qu'il va falloir recharger tous les fûts et tout. Tu sers à quelque chose, toi, là-haut? Je sais même pas. Attendez. Non. Tu es un serveur d'élite qui ne sert à rien. Du coup, j'ai besoin d'aller vérifier là-haut. C'est un rempli ou pas? Non. Dommage. Boum. 100 balles. Bon, ça, c'est pas vraiment là pour... ouais. C'est un peu la réserve de secours, y a pas de nécessité immédiate. Je peux encore l'améliorer, ce truc-là? Ouh, le turbo méga grill. 500 balles. Ah, on peut les augmenter, hein. On peut augmenter des choses. J'avais demandé si ce bar pouvait être augmenté. Non. On avait déjà regardé de toute façon, je crois. Par contre, eux, ils étaient augmentables. C'est ce qui m'avait choqué. Mais on peut pas. Les bougies? Non. Lustre? Les aventuriers? Non. La piste des bars? Non plus. Ça a l'air d'être surtout la cuisine qui est augmentable en fait, hein, et encore. Donc, votre comptoir. Ah, et votre comptoir à vous. Votre comptoir à vous, il est augmentable. Et les chaudrons, ok. Ok. Bah, tout... Non, c'est celui du décor. C'est vrai que c'est du décor. Des courroumes. Ah, c'est des gens bleus qui sont mis là où c'est le bleu. Oh, c'est du génie. Allez. Faites couler le vin à flot. Un peu trop quand même. On les voit un peu. Supérieur, c'est cool. Nouvelle recette. Les 4 étoiles, que des plats principaux. Bah, je cherche que des plats principaux. Ah ouais, non, il y a un spécial. Ouais, super. Tout le monde nage dans le bonheur. Tout le monde nage dans le bonheur. Hein. Vous allez pouvoir participer aux frais de la maison. Hein. Qui coûte un peu cher. Quand même, il y en a qui coûtent un peu cher dans le lot. Hein. 66 balles ou 68, j'en avais vu au début. On a fait 530 billets. On s'en sort pas trop mal. Ne servir que des plats principaux, c'est bon. Hop, nouvelle journée. Alors. Dépenser 2200 aujourd'hui, ouais, ça va être compliqué. Gagner plus de 3000 balles en une journée, là, ça va être très compliqué. Parce que moi, la richesse, c'est moins ça. Hein. Pas de fromage, j'ai rien. On peut pas festoyer. On peut se refaire une fête au village. Ah non, on peut même pas. On a rien. On a rien. On est pauvre, on a pas de dents, on a rien. Un peu triste. Ouais, au fait, d'ailleurs, j'ai regardé entre deux. Hein. Le jeu, officiellement, il est fini, hein. Il a été laissé avec beaucoup de bugs, je trouve. Peu dommage. On va dire très dommage. Avec une lanterne en moins, ça le fait moins. Oh, c'est une bouteille de Jack!
c'est une bouteille de Jack Daniels, mais c'est du poison. Elle est carrée, elle est brune, c'est donc forcément une bouteille de Jack Daniels. Évidemment. Qui est du poison. Ça va de soi. Eh ben on va le faire hein, l'objectif pognon. Ah ouais on est fâché hein. Ah mais il suffisait d'avoir des tables, fallait me le dire. Bah, il suffisait de me le dire en fait. J'aurais fait ça depuis le début. Juste mis des tables et des chaises, c'est tout. Rajouter petite écho de chevalier là avec leur pot à armes, très important, le pot à flingue, la petite tenture qui va bien, oh, des boucliers, des écus et du swag. Ça sera l'écu royal, plutôt le mettre par là, tu vois. Oh ouais, ouais, viens te mettre ici. Là. Et les tableaux qui coûtent cher, voilà, c'est ça. Des shields. Des armes. Et on va se remettre des rideaux là pour cacher les gens qui font. Les gens qui font du cirque et du cinéma là. Est-ce qu'on vous appelle ça des artistes, c'est ça? C'est de la merde. Hein. Non, viens-moi ça. En fait. Bon le c'est trop. C'est trop. Et il manque encore 150 billets. Voilà. Hop là, c'est bon. Je les ai. Vite, avant que les gens s'en aillent. Vite, vite, vite. C'est où? C'est là. Je vais y arriver, je vais y arriver. La digestion, hein. on va s'en sortir, on va survivre. Bam, une statue. C'est excellent ça. J'aurais mis des rideaux. Ouh, j'ai tout. Oh, incroyable. Hein. Putain, il est rouge. Oh. Gagner 2200. Gagner 1800. On reste plus qu'à claquer des thunes. Ah, on passe pas la journée suivante. Hein. Faut qu'on claque des thunes, on m'a dit. M'a-t-on dit? Non, je pas spécial. C'est joli, hein. Pas spécialement engageant. On va s'ajouter encore quelques tentures. Voilà, ça, on est pas mal. Là, on est pas mal. Là, il y a un petit swag impérialiste qui se dégage. Des rideaux, ici. Il me faudrait du bleu. Hop. Bleu. Parfait. Ça me paraît très très bien. On peut shielder comme des fous ce mur là. Vous n'avez plus de thunes. Salaud de pauvre sans dents. Pas gentil. Bon. Et j'ai pas claqué les. Ah non, c'est gagné plus de 3100, c'est reçu. Ah mais non, c'est reçu tout fait. Oh là là, il a tout fait le monsieur. Serveuses, elles ont l'air mais en galère. Genre elles viennent de finir de débarrasser. Hein. Oula. Ah oui, je vais dire moi, j'ai lancé un événement de ce type-là. J'étais pas au courant. Ah ouais, ça coûte un billet quand même d'entretenir la maison. Quoi? L'autre, il est dégoûté. Comment ça, mon barman, il est dégoûté, il est déprimé. Qu'est-ce qu'il y a? Je te rends même un dollar de plus. Voilà, déplace-toi plus vite, sois plus performant. Voilà. 26 tables, servir 226 clients. J'ai pas assez de tables, hein. Sérieux là. Le jeu, c'est incitatoire. Hein.
Ouais, bah, faut... ouais. Plus de tables. Plus de tables. Pas assez d'argent pour ça. Oh, le petit caton. Lourd. Il me restera quand même 20 clients rares à faire que j'ai pas pu faire. Bon, les 200 clients, ça va se faire tranquille, je pense. Hein. Oh, le bordel en taverne. C'est le bordel en taverne. Pourquoi je sers de tout et de rien et... non. Non, mais rien, en fait. Ça servait rien, ici. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attends, non, c'est pas ça que je me trompe. Non. Oh. Ah non, j'ai plus la restriction, d'accord, ok, ok. Ok, c'est bon. Servait de tout. On va profiter qu'on ait un peu de sous pour tout charger, hein. À l'étage, t'as servi plus d'un verre d'eau? Oh, il sert des verres d'eau, il envoie! Oh, le mec, il envoie du verre d'eau. Lourd ma gueule, bien joué. Hein. Y a pas assez de serveuse. Le délire, y a pas assez de serveuse. Vous voyez bien que ça s'empile à l'infini et que ça ne s'en va jamais. Oui, je sais pas, une Maria, tiens, très bien. Vite! Servez ces gens! Plus vite! Ok, c'est à ce moment-là où tu te dis, bon, bah, changer la qualité de ma cire, voilà, là, changer la qualité de ma cire, c'est peut-être pas non plus la fin du monde, quoi. Excellente, on est en 6,3% de chance de cramer. Oh, bon, ça va. Je pense que ça va finir en lustre partout, parce que les lustres, c'est ce qu'il y a de moins... Enfin, t'as moins besoin d'en coller partout, quoi. Pas ça. Hop, lumière. Un classico. Quoique. Ça dépend, j'en ai besoin quelque part ou pas. J'en ai besoin nulle part. C'est vendu. Pourrais éclairer la cuisine avec, mais quelle utilité de faire ça. Boum. 500 balles. Enfin, c'est plus cher. Et ben, on aura fait quelques petites montées. Ah, il y a ça aussi à monter, avant que j'oublie. Boum. Il me restera encore deux seaux, enfin deux pots à augmenter. Ouais. J'ai pas mis des éclairages qui ne servent à rien par ici. On a l'air d'avoir bien fait les choses. Bon, non, on a l'air d'être bon. On va se rajouter les petites décos que je voulais, là, les boucliers. Plus de shield. Quoi? J'ai pas de thunes, ça coûte très cher les shields. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ça coûte une blindasserie. Zlé! Coup de machette. Machete. C'est du génie. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ne servir que des plats principaux toute la journée. Non, justement, tout cela et rien de cela. Rassure-moi, j'ai aucune commande qui est tombée. Il y a un événement en cours, j'étais même pas au courant. Ah oui, c'est la fête de la flotte et de la limonade. Cool.
C'est ce qu'on aime bien, c'est le classique des familles. Ouais, excellent, excellent. Et on pisse un peu de limonade, hein. C'est pas mal, hein. Ah oui, c'est vrai que l'inventaire, il est pas commun, il est bizarre. 55 champignons sur 60. Qu'est-ce qu'on va se préparer comme expédition? Et pour quelques fromages de plus. 34. 33. Ou 31, 31, 31. C'est financé. Et là, 34. Le mec qui roule dessus tout seul. 32 et 32. Ça peut se faire, hein. Moi, je dis, on prend 628 balles et on les lance. On va chercher un fromage ou deux. J'aime bien la musique. Je dis souvent, mais bon. Dans ce genre de jeu chiant, l'ambiance musicale, pour moi, elle est hyper importante. Je peux avoir quelques dollars de plus? Bon, ça ressemble à une fin de journée. C'est une liquidation judiciaire. Non! Bah... ouais. Cool. Ils sont encore là, les vieux? Ah ouais. Barrez-vous, les vieux. C'est quoi les nouveaux objets? Terminer n'importe quelle recherche, préparer du soupe de légumes 24 fois. Mais d'abord, je vais ne servir que des plats principaux. Voilà. Que des plats principaux. Parfait. On va se refaire un petit événement du peuple entre deux. Alors ici, on est un peu dans le rouge en limonade, mais en vrai, ça va, on survivra. Ah oui, il faut que je fasse absolument... Oui, il faut... Oh, putain, dans les trucs à faire, il faut absolument que je fasse un bureau et que je prenne un chercheur. Sinon, on n'avancera jamais. Je suis un fou. Et je vais replanifier une fête au village. Hein. Ça coûte pas cher. C'est abordable. On a fait du pain 3 étoiles comme Jaja, mon gars. Même pas on les frotte à l'ail. Rien. Ce barman de qualité. Paf! Les verres de vin dans les coupes en or là, bam! Bon, les pintasses de bière brune, hein. Le mec se trimballe, je sais pas combien de kilos à bout de bras. Hein. il peut prendre 6 pintes là. 6 pintasses d'un litre dans des shops en métal. Hein. Le mec il se trimballe avec 16 kilos à bout de bras, facile. Facile, je pense. Enfin, c'est des potes, hein. Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Moult fraises. Pour pas grand-chose. Ah ouais, non, ça... voilà. Du fromage pour un peu plus cher, mais en vrai... ça s'aborde. Ça, c'est pas cher, hein. Et il y en a pas mal, en plus. Et si je veux en envoyer pour un fromage, là... Oui, toute l'escadrille. J'ai tout envoyé. Et j'ai rien fait de ce que je voulais faire, c'est-à-dire acheter un bureau de la recherche. Vite. Ça, ça va se passer à l'étage. Hein. La recherche et développement personnel. Pourquoi j'en ai une petite par ici, là? Voilà. F pour redescendre. Tu tiens la ligne. Tenez la ligne. Endele hey les golas. Là. Je vous rends votre bougie. Hein. La ligne.
La ligne de serveuse. Je peux encore en embaucher une. Je vais pas me gêner. Ça arrive tout de suite. Embaucher. Ah, une championne de l'escalier, ça me fait plaisir. Elle s'est pas placée là, la dernière. Elle s'est placée là. Faute grave. C'est bleu. Voilà. Par contre, il va falloir tout remplir au bout d'un moment. Mais pas très large. Mais hey, j'ai pu lancer deux expéditions, trois expéditions. J'ai lancé trois expéditions. Hey, on brasse des thunes hein, maintenant. Hein. J'ai reçu un tableau. Je pense que c'est le genre de tableau qui va à l'étage, ça. Ouais, pas chez les mages en tout cas. Pour l'instant, on va le placer ici. Je pense que c'est un tableau. Ah, collector. À voir si tableau historique, bien sûr. Évidemment. Ah, et ça a du mal à vider les tables hein, en fin de service. Hein. Pouah, il y a trop de monde. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup trop de monde. Attends, on en a pour cher aussi en l'entreprise. Hein. L'entreprise coûte un peu de billets. Hein. Est-ce qu'on peut se planifier une petite teuf le 282 clients par jour. Ouais, mais 282 clients... faut que je budgétise ces crétins, là. Hein. Non, c'est pas ça. Je me suis encore trompé. Servir des soupes. On sert tout. Au bout d'un moment, on finira par servir des soupes. Non, c'est toujours pas ça que je veux. Un jour, j'arrêterai de me tromper. Hein. Vous. Alors là. Là, mes petits potes, on va faire un bif. Hein. Quand ils vont se pointer, il va se passer des choses. Attends, c'est comment ça hein. Une viande de légumes dedans. Ah ouais, hein, ça tape un peu dans les deux quand même. Hein. C'est quoi les objets? Ouais, 4 étoiles sur un plat, c'est n'importe quelle recherche et pas tout de suite. Les soupes de légumes, bah c'est whip, les clients, ce sera très probablement, c'est que des quêtes qui seront bouclées demain ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est embaucher un chercheur. Godefrey. Pour pas dire Godefroy, de mon demi-rail. Let's go. Talbot, t'es heureux, 61$, arrête de saouler. 62? Ah, du goût de chair. C'est bon, j'attends mon tout client. Parfait. Zéro. Cassez-vous. Vous coûtez trop cher. Par contre, oui, on brasse quand même des thunes. Hein. C'est, la vie coûte cher, mais on brasse. Hein. On brasse du pognon. Hein. En fait, ma question c'est est-ce qu'on peut coller un bouclier là? Si oui, je mets celui-là. Ah, je peux pas. Ah, on peut peut-être si. J'ai pas le droit. Donc je peux mettre que deux boucliers. De pouvoir les coller serrer un peu. Mais... J'arrête de faire ça. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Ça aurait peut-être été un peu plus classe si j'avais par exemple centré le tableau au milieu, mais j'ai peur que ça glitchouille dans le poteau, tout ça. On va pas s'embêter avec ce genre de détails. Ici, pour que les gens puissent apprécier. Ah c'est vrai que j'ai. Ah oui mais ça c'est un tableau de mage ça, tiens regarde-moi ça là. Ça c'est pas un tableau de magos ça? Un truc tout en technique à base de soie grance. Ah par contre on les a vraiment mal placés. Hein. C'est vraiment on les a placés. On va plutôt les placer comme ça. Bon vraiment à côté de la bougie, c'est vraiment tu veux les faire cramer quoi.
Et bah j'éclairais avec une bougie. Bilbal, let's go, jour prochain. Oh, pour 1200 balles hein, la vie. Hein. La vie coûte un billet. Hein. Servir 190 clients en une journée, ça va se faire, ça va se faire, ça va se rentrer tout seul. Hein. Tout est un franc succès. 28 champis, c'est pas trop cher. Mais 11 jambonneaux pour 700. Ça se fait carrément. Hein. En plus, on a récupéré toute la troupe d'élite, là. Ah non. C'est pas l'équipe A. 96, c'est bien. Et je vais monter à 100, et puis après, sinon, je les envoie juste chercher des fromages. Chercher du fromage, c'est bien. À deux, ils vont s'en sortir. Sinon, je mets petit gars à 30. Je garde un gars à 32. On est à 100% quand même. On est très bien. Et j'envoie 2,32 sur du fromage. À juger. Non, sur des champignons. 28 champignons pour pas cher. C'est plus. Ah, pour pas cher. Le gars vient de balancer 1000 balles par les fenêtres. Hein. Faut récupérer un peu de champignons et des haricots verts. Hein. Des petits pois. Ouais, wouh! Tellement ouf. Ça pour avoir des chevaliers qui viennent te vider des pintasses de pierre brune entière aux petits pois. Trop important. Je peux avoir mon pognon? Je peux avoir 462 balles? Allez, voilà, merci. Non, les barils sont vides. Ah, vite. Vite, il faut financer ça. Oh, j'ai plus d'argent. Ça m'a coûté zéro. Ça m'amuse beaucoup. 188. Par contre, là, ça commence à faire. Et ici... 305. Faut encore jeter de l'argent. Hein. Ok, dernier client qui se tire, formidable. On a réussi à peu près à débarrasser les tables hein, en temps et en heure. Hein. Quoi? Ah, il a besoin d'une bibliothèque, notre chercheur. Ah. Ah, du coup, il perd du temps en faisant ça. Tac, descends-moi en bas. Parce qu'on descend rarement en haut. Ça me paraît formidable. Dans sa tenue de paysan. Votre passage de niveau de table d'ailleurs, ce que je regarde même pas, 17 000. Hein. 17 000. Attends, des jambons. Hein. Des fraises pour 400. 33 fraises pour 400 balles. Hein. Les mecs, ils rigolent pas. Hein. Ça se monte ça comme aventure. Hein. 68% à 34. Non, mais c'est trop. Voilà, ces deux-là, ils suffiront. Tu prends un petit blondinet avec toi. Gubre, le lugubre et blondinet avec toi, et ça se passera très bien. Il n'y a pas de raison. Voilà. 29 champignons, ouais, ça m'en ferait pas mal. On en a déjà 59. Hein. Je sais même pas si je peux tout prendre. Normalement, si, hein. Normalement, j'ai assez de réserves pour tout prendre. C'est jusqu'à combien là? C'est 60. Ouais, c'est ça, 60. Non, j'ai de quoi tout prendre. Allez. Aux champignons. Ah oui, je commence mon aventure avec zéro crétin. Voilà. Mais j'ai personne à envoyer au jambon du coup. Dommage. Je vais envoyer un gars tout seul, 34% de chance. T'iras pas au jambon. Le jambon, c'est dangereux, mec. L'a jamais dit. Ah non, tu le sais. Le jambon. C'est dangereux.
On va se rajouter encore des petites tables dans le couloir là. Comme un gros sac. Ou je vais déplacer celle-là et mettre des vrais bancs bleus et tout. On l'appellera la bleue salle. Ou la salle bleue. Donc vous voyez. Moi la bleue salle j'aime bien. Non, non, non. Non. En secours. Il fallait pas du tout faire ça, c'est bon? C'est bon, c'est bon. On a sauvé les murs. Et merde. Oui, non, ça a l'air d'être bon. Bon, bouge-moi ça. Il y en a un qui est un peu dans le noir, mais ça va. On est bon. Voilà. Non, j'ai pas envie de ça. Ah, dommage, j'ai pas assez d'argent. Sad. Bah, si, j'ai assez d'argent. Oh, coûte trop bien la table. On ne le saura jamais. Zlé. Ah, la cuitasse a quand même un peu de gueule. On va l'appeler l'auberge de la cuitasse maintenant. Pour être un peu plus distingué. Servir 205 clients, mais c'est facile. Vous avez tous envie de cette table, hein, hein, hein. Et en plus, pas forcément les plus belles tables d'abord. C'est marrant. Demain, ouais, demain, ça va envoyer du steak, hein. Hop, la fête du vin qui apparaît entre deux. Hop, on va récupérer les gars. 10 jambons pour 700 balles, c'est un peu chéros. Vas-y, hein. Non. Non, ça me suffit pour l'instant. J'ai pas besoin de plus. Partir. Ça fait vraiment dans l'allée, hein. Je suis pas fan pour le coup. On fait que ça fasse plus comme ça à la limite. Par contre, ce qu'on aurait pu changer tout de suite, c'est la couleur tant qu'on y était. Voilà. On est bien là, hein. Oh, lui, il a mis son royal fessier ici, là. De vieux. C'est moi le vieux. Non, c'est moi le vieux. Parce que je t'ai dit que c'est moi le vieux. Oh, putain, bordel. Mais non, c'est moi le vieux. Ta gueule, papy, t'es déjà deux doigts de crever. Voilà. Excusez-moi, on s'amuse comme on peut. Hein. Je sais de la merde, on s'amuse comme on peut. Hein. Allez, hop. Tac. Il balle. Il est si cher.
Il y a du beau gratin. Il y a du noblillon. Hein. C'est la première fois, je crois, que je vois du chevalier en dehors d'événements venir squatter une table, une tablée là. Il y a du vrai bourge, hein, qui parle à un vieux et son bourreau. Ouais. Je suis un vieux, je dois embaucher un bourreau. J'en sais rien, je suis vieux, je me pisse dessus, je veux pas le savoir. Non. 750. C'est pas tout de suite. Faire progresser n'importe quel employé. Let's go. On a dit n'importe qui, hein. Rosaline, t'es tué n'importe qui, félicitations. J'ai pas eu mes 205 clients une journée. Ça, c'est un peu triste. Tous les clients ont été servis. Ah, les 80 chevaliers, excellent. Alors par contre, c'est intéressant d'aller rechercher l'événement des pirates. Alors les pirates, c'était quoi? C'était les jambons, je crois. C'est l'événement des jambons, je crois, les pirates. Je vais vérifier ça. C'est les jambons, ouais. Parce qu'ils avaient régalé de ouf. Ils étaient genre hyper nombreux. Ouais, 120. 120 gars. 130 les bourreaux, hein. Ça part, hein. Ça part en mode qu'on leur coupe la tête, hein. Tout ça, tout ça, hein. 32. À ce stade-là, j'envoie tout le monde. Allez, cassez-vous, videz-moi cette table. Allez bosser. Tout l'argent que vous prenez pour me ramener du jambon de pays, hein, vraiment. Vraiment. Vraiment, le jambon n'a jamais coûté aussi cher, quoi. Ah, par contre, on rentre du chevalier, hein. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde ici, sa majesté, hein. L'auberge n'a jamais été autant en bordel, sauf peut-être au début avec son mur en moins, mais c'était vraiment parce que c'était son style. Hein. Il faut me peinture lui et tout ça là. Voilà. 15 000, hein, pourtant, ça bosse. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo? Hugo! Hâte de faire la tronche là, prends 68$, casse pas les couilles. Et il se retrouve encore dans un speed pas possible. Hein. Ah oui, puisqu'on va vendre que de la bière aujourd'hui. Vas-y. Ils sont remplis. Hein. On va pas discuter pendant 107 ans. 800 balles! Alors, je suis sur la paille. Franchement, on peut le faire. Ouais, on l'a fait. Oh là 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 là, ce qui est encore à remplir. Allez les gars, faut consommer, hein, parce que là, faut remplir. Hein. J'ai pas une seule noix en avance, pas. Et zéro dinde, zéro coco, j'ai rien du tout. Petit pois. Total, j'en ai 27 des petits pois quand même. Presse de l'eau? Ah non. Il a plus d'eau, hein. Le pauvre petit, hein. Il a plus d'eau. Je vais regarder ce qu'est le nouvel objectif. 205 clients, hein, je l'ai oublié. S'assurer que tout le personnel est au-dessus de 80% de bonheur. Ça va être obligatoire. Il n'y a que Talbot qui fait la gueule. Nage dans le bonheur, connard. Bravo, ma gueule. Ah non, Godefroy de Montmirail aussi fait la gueule. T'es heureux là? Allez, casse pas les couilles. Culé. Talbot. En même temps, on pourrait monter de niveau, voilà. Tac. Non. Non. Oui, mais non. Voilà.
Hugo, Hugo, t'es un grand chef, Hugo. Hugo, travaille plus vite, Hugo. Espèce de feignasse. On n'a pas le temps. Faut rentrer du pognon, vite. On a gagné une brique. On a gagné une brique. Brique, ça me chauffe pas trop. Sauf à la limite pour l'intérieur de la cuisine, parce que vraiment le blanc dégueulasse. Alors c'est très réaliste sur les cuisines modernes, mais sur la cuisine tout court, mais bon, c'est pas jojo quoi. Voilà, voilà à l'italienne. Oh la cuisine d'italiano. Oh là, est-ce que tu la vois l'Italie là? Non, si tu la vois, tu me le dis, hein, parce que moi j'ai rien vu. Voilà. Regarde, je vois. Petit carénage mural là. Il se passe des dingues. J'aurais bien aimé lui faire une pierraille, mais une pierraille comme ça. Ah non, il va pas vouloir. Ah. Ouais, comme ça on reste un peu dans le thème. On y est toujours quoi. Ça me va. Allez. Cuisine 4 du swag. Chaudron, j'ai pas tout amélioré en chaudron. Hein. Même cette table, je sais même pas si cette table s'améliore. Non, cette table ne s'améliore pas. Ça non plus, ça non plus. Les petits chaudrons par contre, ils s'améliorent. Il va falloir améliorer ça. Pour l'instant, je suis en train de saucer le monde avec mes tables. Quel tablé, hein. Pa. Les dingueries, hein. Le quartier bleu, quoi. 324 clients par jour. Peut-être falloir se calmer à un moment donné aussi, hein. Ce barman efficace, hein. Non mais je dois reconnaître que Talbot il est très efficace. L'Irlandais. Ou le Néerlandais. Je crois que c'est un tableau néerlandais. Ça, c'est des navires néerlandais. Eh les filles, c'est quoi, c'est tout? C'est tout? Tout ce que vous êtes capable de produire. Il y a le chef qui s'emmerde tellement vous avancez pas. Plus vite. C'est bleu. Le mec il remplit son comptoir mais si vite. Il attend juste que les filles déchargent plus vite, quoi. Elles sont trop lentes pour lui. Oh, le mec est trop énervé. Hop. Ah oui, il est bugué, ça y est. Super. Super. Je savais, j'ai un cuisinier bugué. Faut que je leur paye au neuf, ils ont même pas remis la couleur. Non mais vraiment. C'est dégueulasse. Il est bugué. Mais plus vite au secours. Il y a un problème de trafic là. Parce qu'il y en a qui partent qu'avec une bière, ok. Et choisissent leur table. Tout ça c'est non servi. C'est perdu. Il y a un souci logistique les filles. Hein. Il y a un souci logistique les garçons. Améliorons encore des choses. Ouf. Il s'améliore ton bureau à toi ou pas? Non. Étagère non plus. Bon, je demandais, on sait jamais. Se défendre une fois contre les voleurs, servir 195 clients, ça peut se faire. Bon, alors. Moi, le bazar, je suis pas très fan. Donc. Si je décide de monter mes prix. Parfait. On ne bouge plus, on envoie. Servez-moi tout ça, ce sera très bien. Filez-moi les jambons là.
des événements. Tout est déjà programmé. Bon. Tout est déjà programmé, y a rien d'autre à ajouter. Voilà, on est revenu à des dimensions plus raisonnables. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Quelle est donc cette histoire ? Quoi ? Il y a eu un guacamole, hein. Allez, casse-toi, le vieux. Mange ton steak et tire-toi. Va à l'hospice. Lève-toi, va-t'en. Voilà, parfait. Casse-toi. Pas besoin de lumière. Saloperie. Il tape dans le passage, tout le monde adore. Qui ne pourrait pas rêver de ça en fait? Il y a le clergé qui est en train de se la coller là. Hein. Il y a le clergé qui est clairement en train de se la coller. Je les ai grillés. Terminer n'importe quelle recherche, c'est bouclé. Les barils de stockage, c'est pas mal. Cuisine de plus, je vois pas trop. L'utilité pour l'instant. Petit mobilier, ça va venir. Ça se la colle, hein. Il y en a une, elle est sage, la petite nouvelle, là, tu vois, la limonade, l'autre... La pâte. La pâte de Biras, ma gueule. Et lui, il a pas réussi à pécho, il est triste. Du coup, il mange ses fruits. Parce que manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Voilà. Tu parles à qui? Ah, tu parles à l'autre. L'autre, elle en a plus rien à foutre. Elle veut juste rester toute seule picolée. Oublier sa journée de merde. Et essayer de pas en faire tout un fromage. Évidemment. Incroyable. Couleur bleu. Quatre étoiles, c'est validé. Ah, ça avait déjà été validé. Ok. Quelques petites modifications. On a trop de merdier à mon goût. Il y en a vraiment trop là. Je sais que c'est bien de pouvoir accueillir Majan, tout ça, mais là c'est en train de me gonfler, ça fait trop de bordel. On va essayer de garder ce qui nous intéresse le plus. On verra pour le deuxième étage après. Pour l'instant, on va essayer de se sortir. Y a que de la bonne table ici, donc s'il y a que de la bonne table, faut peut-être se gratter ça comme ça. Voilà, je vais le remettre tout seul à sa place. Non. Oui. En même temps, je peux tourner ma caméra. Hein. On peut faire ça.
Ça me paraît somme toute correct. Dans les tables nulles, je peux virer celle-là. J'en mets une, j'en mets une comme ça, ce sera bien. Voilà. Bon, on fera un peu plus de place dans les couloirs plus tard. Il n'y a pas d'obligation immédiate de bien faire les choses, on va dire, de trop réduire non plus le nombre de places. Parce qu'on accueille encore quand même une 130 personnes. Hein. Voilà. Ah, ah bah voilà, cette table là elle est nulle, je reconnais ça. Hop là. Je disais bien j'avais besoin d'une table quelque part. Non c'est pas elle. Toi. Et ton banc. Voilà. On a gardé une certaine qualité des lieux. On a dégrossi un peu, alors pareil, en dégrossissant, on pourrait peut-être aussi légèrement réaménager, genre ça, c'est peut-être pas obligé de rester au bout d'un couloir. Tu peux peut-être genre aller là-bas, non. Non. Ça. Voilà. Tout est éclairé ici. On peut faire la même pour toi, hein. On peut t'emmener genre par là. Hop. Ce qui est rangé maintenant n'est plus à ranger après. On n'aura plus qu'à remplacer des tables et des bancs tranquillement. Ce sera fort bien. J'aurais presque pu mettre une autre piste de bardiste ici là. Ou repousser cette table par là et mettre des barres de là. Ça aurait pu être rigolo aussi. On aurait eu deux spots de barde. Il y a une idée, mais je trouve que la place est un peu limite. Ou après les mecs sont dans le feu quoi. Après les gars sont dans le feu, ou alors je mets une petite table carrée. Et je gagne de l'espace. C'est ça. Et la piste des bardes. Ouais, elle est si grosse. Elle est si grosse. Non, ça me paraît pas utile. Bon bah du coup, vu que j'ai revendu des trucs, hop, on va redéplacer une table au milieu là. Ouais d'ailleurs, c'est quoi, on peut se la mettre comme ça. Non. Non, non, je me laisse les rideaux, je récupère ça. Pas mal, on est pas mal, ça me va, c'est assez aéré, c'est pas trop serré, c'est pas mal. Zblu ! Ça sort ! J'ai réussi à me protéger contre les voleurs. Ça régale. Ne servir que des desserts toute la journée. Ça va pas être possible. Pas aujourd'hui. 600 balles direct. Ah, on a fait tout l'événement. Voilà. Tranquille. Ouais, il suffisait de servir tout le monde. Hein. C'était pas très compliqué. Moi, hein. Bon, j'ai trouvé ça plutôt simple. Et c'est peut-être parce que je suis un homme simple, finalement. Riche de mes employés. Oh, le discours de merde. Oh, le discours de merde sur 20, au secours. Poète. Bon, c'est venu pour la vinasse, hein. Bon, c'est venu pour la vinasse, hein. Attendez, faut que j'aille repayer de l'eau à l'autre là-haut. Vite. On a fait être à court d'eau. Je sais pas si la recherche avance, mais. En tout cas, elle fait semblant.
suis en train de me demander si je vais pas finir par coller un deuxième bureau ici en fait. Genre là. Avec un deuxième chercheur. Parce que je sais pas combien il produit dans une journée, mais reste 85, 84. C'était à 100, je crois. Ça va pas hyper vite, hein. D'ailleurs, dans les spéciaux, il n'y a pas des trucs que j'ai que j'aurais oublié d'acheter. Ah oui, ça c'est pour l'instant, c'est verrouillé, ouais. Ah oui, on va avoir les... Si, j'ai la literie, j'ai les armoires. Ah si, j'ai les choses. D'accord, ok. C'est ça que j'ai oublié, avec des guillemets, d'acheter. Ah si, attendez, il y a autre chose aussi. 500 balles quand même, les gars. 500 balles, quoi. F, redescends-moi. Sur un autre objet? Ah, je suis sur la torche? C'est une blague. Ça, va ailleurs là, casse-toi, va là-bas. Ça va être sur un pilier, bah vas-y, casse-toi, va là-bas. T'étais sur un pilier là. Voilà. Ou alors c'était pour le mettre ici? Je suis sur un autre objet. Oui, je suis sur la lanterne rouge, je suis sur toutes les... Oh, je suis sur tous les trucs. Oui, bah c'est sur un mur. Ouf con. Excusez-moi. Je m'énerve un peu, mais voilà. Tac. Ça va être sur un pilier obligatoirement. Bah tu sais quoi? Ça c'est un pilier ma gueule. Alors, tu vas faire quoi? Bah rien du tout. Voilà, décoration des cuisines, vite. Bam. Aïe, échalote. Saucisserie. Oh, on n'a pas les moyens pour la saucisserie, le drame. Oh, on n'a pas assez d'argent pour mettre des saucisses. Des titis de saucisses, là. Oh, ça dégoûte un peu. Ah, mais on va finir... On va mal finir, on va finir dans le dark. Il me faut combien pour... c'était où? Là, c'était triste. Ah, oh, c'était 150 billets, c'est hors de prix. On attaque le jour suivant. Un jour où il pleut. 4000 balles en une fois. Enfin, en une journée, quoi. Ça va être chaud, hein. Parce que financièrement, on n'est pas frais. Je vais chercher un truc à boire. Ah, attendez. Tac, 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 tac. Voilà. Ça jurait un peu sur le décor. Ah, mais il reste un banc tout pourri. Allez, vends-moi cette merde. On a gagné 35 balles. On est des fous. On est à 100 clients, sachant qu'on n'a pas de barre de Kizouk, hein. Genre, c'est le calme plat. Hein. Les chevaliers, c'est passé. Qu'est-ce qu'on se met après? Alors, on a déjà envoyé cet événement-là. On se fait une petite fête du travail. On se programme une petite fête du taf. Après tout, on a des gens qui travaillent dur. On m'a dit qu'on manquait cruellement de jambon dans ce pays. Jambon de pays, bien sûr. Lol, on a dans l'humour. 400 balles les 8, c'est pas cher. Hein. C'est l'aventure à mener de la journée. Hein. On aurait 400 billets. Après, il faudrait un peu plus, un poil plus de déco. Et on serait bien. Genre là, des bancs. Genre des bancs d'un peu de qualité. Un petit peu qualitatif. Ne suffisent pas. Merde, c'est dommage.
Je peux pas supprimer un banc tant qu'il y a des gens assis dessus, sinon ils vont mal le vivre. Voilà, là c'est bon. Là ça va être bon. Alors, hop. Hop. Ah, je vais juste retaper une place. Là. Tac. Tac. Des bancs de qualité. Des qualités. Alors, on prend la thune pour faire des dépenses aujourd'hui. Allons-y. Cuisine. Non, pas cuisine. Au-dessus, cuisine aussi. Hein. Cuisine, on peut se remettre une petite malle par là. Hein. Vous avez déjà acheté. Ah, j'ai pas le droit d'en avoir plus de deux. Non. Sad. Et deux caisses aussi de bas. Oh, c'est le méga grill. C'est le méga turbo grill. Excellent. Donc, je voudrais. D'abord, la déco saucisse. Hein. La déco saucisse, quoi. Oh la saucisse mon gars. Ensuite pourquoi pas se remettre. Non ça c'est ça on a déjà mis. Qu'est-ce que j'aurais bien voulu me remettre. Oh la barre. Oh la ouais ouais ouais. Non mais le patron c'est un marin quoi. Où est-ce que je vais pouvoir mettre la, ah, la roue du patron juste là quoi. Bam. Ça c'est beau. Trophée de chasse. Faut qu'elle est ça là pour l'instant. Ça fait son petit style. On a de l'art payant. On peut s'acheter du lard payant. Oh. Ça va les tâches. Ça c'est un peu trop. C'est un peu trop. Ah, mais j'ai pas mis de mur à l'étage. Quel con. Construire. Mur de base. C'est sympa la pluie. Ah, ça fait genre t'as une véranda quand même là. Hop, t'as vu. Je me moque pas de toi. Quand même. Tac. On peut s'acheter du lard. Déco. C'est à dire qu'on peut vraiment se faire de lard. Mais ça je pense que c'est plus des trucs qui vont aller dans des chambres. Qu'autre chose. Oh l'astrolabe. Le, pas l'astrolabe. Le, oh l'astrolabe le gars voit tellement en grand. Ah oui, du coup, il va nous falloir une fenêtre. Faudra mettre une fenêtre par là. Ah ouais. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc. 3000 balles, par contre. Voilà. Du coup, vous avez up. Vous avez luvé. Félicitations à vous. Niveau supérieur. Voilà. Servir que des desserts toute la journée. Ah ouais, faut faire des. Ouais, on peut faire ça. Événement demain, pas d'événement. Allez, que des desserts. C'est sûr que tout le personnel soit au-dessus de 80% de bonheur, atteint les 5 étoiles sur n'importe quel aliment. Bon, le personnel, il lâche dans le bonheur. Ne dites pas que j'ai encore un Warren qui fait la gueule. Godefroy, mais putain. Trouve le bonheur là. Le bonheur c'est pas l'argent connard. Pfff. Pourriture. Carreau de sol. J'ai envie de les tester.
Oh, ils sont beaux, mes guerriers. Oh, ils sont beaux. Hein. Oh, c'est chaud. Hein. C'est presque italien. Non. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ils sont dans la couleur. Vive les couleurs. C'est incroyable. Hein. Au ciel, cet arc-en-ciel. J'ai pas validé le truc, là. 5 étoiles dans un... obscur. Oh, il envoie les boissons par 90, quoi. Y a plus rien là-dedans. Au secours. Ah oui, fête du vent, on s'est fait piller un petit peu, ouais, c'est ça. Putain, c'est le blé qui me coûte le plus cher, je reviens pas. Ici, je pense. Hop, 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 hop. Petite fenêtre là. Ah, du coup, c'est une. Ah, c'est une fenêtre genre à grille. C'est très rigolo, ça. Mais du coup, c'est dégueulasse. C'est rigolo, mais dégueulasse. C'est ça, c'est moche, hein. Du coup, je suis un peu dans le dégoût là. Pose des questions. Je suis en train de me demander si je mets pas une fenêtre là. Et genre une fenêtre genre là peut-être pour casser. Dommage, il y avait un début d'idée, hein, mais... non. Donc ici, il faudrait des fenêtres. Là, là. Parfait. Impeccable. Il était dans les special, ouais, il était dans les special. Hey, d'ailleurs. D'ailleurs. On peut pas les mettre sur. Ah, bah voilà qui règle tous mes problèmes. Voilà. Parfait. Impeccable. Il me manque donc plus qu'une. Dans mon spécial, il me manque plus qu'un autre bureau. Supplé d'une bibliothèque. Pourtant c'est dans les décorations les bibliothèques, genre normalement c'est pas censé être obligatoire, mais bon c'est pas grave. Hein. Voilà. Et bah dès qu'on a un peu de tunance. Ah on a déjà ça je crois, des seaux, des globes, des trucs un peu stylés. Je sais même pas où je les ai fourrés. Ah ici. Le globe ici, voilà, je vais mettre le globe au beau milieu, moi je pense que c'est classe,
c'est mon avis, hein. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Je le reconnais. Hein. On va se mettre des parchemins, voilà, des deux côtés, hein. Vraiment, ces deux mecs qui réfléchissent très fort. La réflexion intensive leur coûte beaucoup. Je vais aussi parler tapis, chiffon, tapis, tapis, chiffon. Voilà, comme ça. Et toi, on va te mettre ouais, par là aussi. Ouais. Voilà, voilà. Je vais essayer de mettre... Ah oui, mais c'est le seul que j'ai dans ces teintes-là. Oh, le monotapis dégueu. Ah, c'est tout ce que j'ai pas le choix. Oh non. Oh non. On n'a pas le choix. Dommage. Dommage. Full tapis violet. Bon. Bon, va falloir faire un peu de... Il faudra refaire un peu de souillou, hein, mais... Ah, c'est la fin de la journée. On peut se remettre en full légumes et tout. Hein. Ok, c'est la teuf demain. Servir 229 clients, gagner plus de 4500 balles en une journée. Hein. Non mais la gourmandise les gars, hein. La gourmandise. Bon les 130 je les sers facile. 130 ça rentre, ça glisse. Ça glisse, 130 ça glisse, vous le savez que ça glisse. Vite boucher, chercheur. Edwin. Les 130 ils rentrent pas. C'est une blague. C'est une blague qu'ils me font. C'est juste mon troll qui font ça. Vous savez en fait. Me dites pas qu'il va falloir que je repose des tables à l'arrache. Juste pour faire mon quota de débile là. J'aime bien le concept de cette petite table dans le coin là, juste à côté des... du barde. Mais je pense que je vais mettre une table carrée. Genre là, une petite table carrée ici. D'ailleurs, vu que j'ai pas assez de table, let's go. Oh, moi j'ai envie de la caler comme ça, pas droite. Vous savez, genre... Bah genre pas droite en fait. Deux de plus. Trois de plus. Peut-être pas ma meilleure idée de claquer mes thunes là-dedans. Hein. Vite, on continue la déco. J'ai pas mis cette petite chaise là. Ou alors, je la mets là. Il y a concept. Hein. Moi, j'aurais mis trois mecs hein, là-dessus. Je n'ai pas très beaucoup d'accord. Bah y a pas le choix, hein. On va remettre des tables moches. Juste parce qu'il me faut mon quota de crétin. 8 de plus, ce sera pas suffisant, il m'en faut encore. Pas assez d'argent, bah faites de l'argent. Allez. Hop hop. Hop, la soupe monte. Formidable. C'est pas ça que je veux. Table. Pourquoi j'avais dû bourrer les tables et ça me rend terriblement triste, sachez-le. En plus c'est de l'argent balancé par les fenêtres, secours quoi. 117, 119, allez, 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 on remplit, on tasse avec le pied, on tasse avec le pied. Ça va pas rentrer à un connard près, c'est ça? 128, 129,
Tout le monde a été servi. C'est un succès. Mais c'est bien la preuve qu'il faut un deuxième étage, parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 tables en gros qui vont sauter. Et il me faut au moins ces 5 tables de plus. Ce qui est fou, c'est que je crois que j'ai programmé un événement qui est encore plus énervé que ça. Atteint les 160 clients jour. Faudra patienter un peu, hein. Ou embaucher des bardes. On peut se faire ça. On peut se faire ça et s'embaucher une bande de crétins exceptionnellement. Va falloir voir pour le bar du dessus, là. Hein. On va commencer à voir l'aménagement par ici, hein. Mais avant, puisque j'ai 3000 balles, décoration, pour nos magiciens fans d'astronomie, bien sûr. Ah, c'est hors de prix, j'ai pas l'argent. On va mettre le porte-manteau des sorciers. Qu'il va falloir qu'on se cale quelque part. Ok. Hop. Alors j'aurais mieux fait de les déplacer en soi. Oh, on peut faire la grande table en bois de type grande table en bois. Pourquoi pas. Le petit pouf, une place de ouf. Ah ouais, non, mais les fauteuils, hein, il me faut les fauteuils en fait. Ça, c'est de la merde aussi. Hein. C'est pas acceptable. Hein. Il faut des petits fauteuils, là, il me faut des vraies choses, quoi. Ah, il faut des thunes. Allez, il faut des sous. J'ai pas regardé en termes de calendrier ce que je pouvais organiser après ça. Sans gars de la fête du travail, mais elle est déjà, ouais, elle est déjà programmée, elle. 130 gars de nouveau, j'ai pas envie. Dégustation de vin, 60 fromages, ça part. Petite fête, pas trop énervée. Sur un petit calme un peu, sur un rythme un peu calme et tranquille. Ah non, il me faut des légendaires. Bon, bah on oublie la petite fête calme et tranquille. Ramenez-moi vos gros légendaires. 80 clients, ça devrait faire le taf. Ouais, il tape dans les couloirs, c'est une catastrophe. Oh, j'aurais bien fait un petit dédale de fauteuils dans tous les sens, de vieilles chaises un peu... C'est un peu les rustiques du pays, quoi. Est-ce que c'est good enough de faire ça? Oui, ça serait gagner de la place, mais non, ça serait dramatique. Bah attends, c'est pas tout. Attablez-moi ces gens. Je suis passé là. Pas mis vieux le tabouret éclaté. À côté du bon fauteuil de Magos. Nice. Parfait. On aurait peut-être pu se rajouter une autre petite table conviviale des familles, genre. Une comme ça là. Je l'aurais bien mise comme ça. Le truc c'est que si je la mets en quinconque comme ça, il faut que je bouge celle-ci. Celle-là aussi, je peux la bouger.
Ouais. Voilà, ça c'est un peu le, voilà, les fauteuils dans le couloir, ça me bat. C'est la bonne table pour ça, voyez-vous. C'est genre hop, le vieux tabouret et tout. Les gars qui sont toujours un peu au milieu. Je leur dis, ouais, poussez-vous les gars, vous êtes au milieu. Putain, laissez-moi une place les gars. Vraiment, là, je peux pas passer. Ce genre d'ambiance, quoi. Tac, tac, ici ça passe. Parfait. Ou même inversement, on aurait pu faire une table genre comme ça. Avec l'autre qui est vraiment sur le... Ouais, non, il est un peu trop dessus. Il est un peu trop sur le... Ouais, tu sais, on peut garder ça comme ça aussi, hein. C'est pas mal. Hein. Petit bazar ambiant, là. Petit bazar. Ouais, non, je vais pas lui bouger cette table, sinon, je cours, elle va partir en hurlant. Bam. Place. Boum. Les gars, vous avez l'air heureux de faire de la recherche, mais je dirais que vous êtes à deux doigts de vous foutre en l'air, mais c'est pas grave. Ouais, on a un petit tableau, tout ça. Ouais, 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 ouais. En vrai, l'ambiance des magiciens, elle est cool. Puis elle est pas trop opprimée, hein, vraiment. C'est. Par contre, j'ai pas remis les sièges. Hein, genre, on n'a pas de. On n'a pas de budget pour les sièges. Siège, s'il vous plaît. Voilà. Budget pour les sièges. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est vire-moi ça, couleur, du rose, non pas du rose, enfin du quoi que il est pas mal, mais j'aurais plutôt parti, voilà, j'ai une couleur de magicien de sorcier, Harry, j'ai une vraie couleur de sorcier, les murs on peut pas les, j'aurais bien switch leur rouge pour un, finir la peinture. On peut pas choisir ouais, les couleurs sur les murs. Non. Dommage. Le jeu a un beau potentiel, mais il ne se donne pas tout. La peinture de mur là, ça, c'est les chambres. C'est bientôt. C'est bientôt pour les chambres. Voilà, j'ai plus rien à améliorer. Tout est monté. Sauf du coup le bar du dessus. Qui ne sert que de l'eau. Ça va, tu. Tu te limonades peut-être. Plaisir. Toujours faire en sorte qu'il ait de l'eau. Hein. À 7 pièces d'or le verre gratuit. C'est pas déconnant, hein. faut penser à servir. Ah, au nom des voleurs. Je suis à vous défendre contre les voleurs. Ouais, ouais, sans nos courants. Construire une chambre d'hôtel, faire progresser n'importe quel employé. Toi, tu es n'importe quel employé, félicitations. Fais des trucs. 3 mètres par seconde, allez. Ah, bah. On va peut-être pouvoir commencer à faire les chambres d'hôtel du coup. Le problème c'est que je crois que ça coûte une petite fortune de faire un vrai truc convenable. Hein. Ça c'est spécial avec tous les tableaux gratos. Ah oui, il faut que j'augmente mes trucs d'eau là. Oui, 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 il faut que je fasse ça. Mais je crois que je peux pas encore les améliorer. Ouais, ça c'est pas déverrouillé. Lumière, pareil, c'est dommage que ce soit pas améliorable pour avoir des lumières qui prennent, qui ont moins de risques par exemple de flamber. Ça, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait pas ça. Je sais plus où c'est. Ouais, là, c'est chambre d'hôtel. Voilà, c'est que les trucs pourris, c'est ça le problème. Et un lit, c'est 1800 balles. Le lit double, hein. Bien sûr. Comme si on avait l'intention d'acheter autre chose que du lit double, hein. Bien sûr. Évidemment.
Elle est molle cette journée. Allez, allez, hein, faut consommer, monsieur le chevalier, là. Oui, la déco, elle est belle, mon général, mais... Elle coûte du fric, hein, faut boire. Hein. Toujours pendant le service, hein, monsieur l'agent. Toujours, toujours. Hein. Faudrait pas risquer la sobriété, hein. Ce sera un peu indécent. Dommage qu'on ait pas des rondes avec... avec le drapé qui va bien. Du coup ici les fenêtres je les ai, j'ai pas mis de déco fenêtres. Voilà. Voilà. Oui. Oh, ok. Quoi? Un truc superposé sur la fenêtre? Ah c'est le tableau qui gêne? Ouais. On va dire que c'est le tableau des étoiles. C'est pas le tableau. Si ça va être le tableau qui doit gêner. C'est quoi si c'est le tableau? Je peux toujours le mettre là. Et ouais, ça fait pas tout à fait équilibré, c'est très bien. Bon, ça me va. Tac. Oh, c'est une bonne sœur qui est venue picoler dans le quartier du mage, quoi. Pouah. On aura tout vu. L'indécence. Vous êtes vraiment les gens du passage, vous. Les tables du passage. Ah oui. Salut les gars. Des jambons? Barrez-vous. Bah, 160 clients, c'est bon. Construire une chambre d'hôtel, c'est pas bon. Putain de 5 étoiles. Bah, construire une chambre d'hôtel, je veux bien en soi, mais... Ouais, en vrai, je veux bien. Moi, ça me pote bien de tenter un prototype de chambre. Avec un petit lit 5 étoiles, là, bam! Ça va faire des grandes pièces, hein. Pas assez de sous. Je vais être pauvre comme un caillou. Et en plus, c'est la fin. Donc voilà, ça, c'est la chambre d'hôtel. Ça me fait plaisir. Dépenser 6800... Ne servir que des plats principaux toute la journée. Ça va être compliqué. Événement rempli. Ouais, 100 personnes, on les prend. Easy. EZ. Donnez-moi 1000 balles maintenant, je vais mal. Vite, au secours. Comment ça, je remplis pas 100 personnes? Dépêchez-vous. C'est vrai qu'il peut envoyer des limonades maintenant, il se la pète. 800 balles, c'est tout. Je suis dégoûté. Voilà. Okay, vraiment, il rajoute tout au fur et à mesure, là, dès qu'il peut, quoi. Je me demande si c'était bien nécessaire de faire une pièce aussi grande. Possiblement oui. Plutôt comme ça.
Il y a un petit swag de poulpe. Je peux rentrer combien de chambres comme ça? Une, deux. C'est pas le bon endroit pour les mettre dans le. Peut-être que je change l'angle de certaines pièces. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, je peux faire ça. Alors ça peut faire. Merde! Ah, je voulais dire flûte, mais c'est ce que vous aviez compris. Je peux faire. Une, deux. Une comme ça. Une, deux. Tac. Et aller prêt jusqu'au bout quand j'aurai les moyens financiers. Pas ça. Hop. Il me faut au moins une porte, sinon c'est ridicule. Voilà. Et il me faut au moins de la fenêtre. De la fenêtre comment? De toute façon, on n'a pas l'argent. On a le temps de réfléchir. Parce que techniquement, il faut que ce soit une fenêtre qu'on puisse leur mettre tous au même endroit. C'est du génie. Ah bah j'ai pensé une chambre d'hôtel. On est bon. Bien. Impeccable. Du coup j'ai pas servi que des plats principaux. Sans client en organisant des événements. Ah ouais bah super. Ça a rien de passé hein. C'est gentil de penser à moi hein, mais de penser un peu plus tôt quoi. Là, il y a 130 bouins, mais 130 bouins, c'est chiant à servir. Hein. C'est, vu que j'ai dans l'idée de projet pour l'instant, plutôt que de réduire la salle du bas, plutôt que de l'agrandir, ça m'embête un peu. Chambre d'hôtel, je sais pas combien j'en fais. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-vous. Oh, et puis vous penserez à les excuses étant qu'on y est. Je pourrais faire soit 1, 2, 3, ou tout 1, 2, 3, avec un petit espace là. Ce qui me paraît pas mal, on n'aurait rien au bout de cette pièce. Pas non plus déconnant. Ah oui, rapporte-moi de l'argent. Faites ça vite. Mais faites ça bien. Le beau plancher. Non. Faut dire du coup j'ai même pas utilisé le moche. Ce qui nous fait un beau plancher pour les montons là-haut. Est-ce qu'on monte rarement en bas? À moins de se retrouver dans un Cthulhu. On a quelque chose.
Mais non, on s'en fout, remets-moi sur mes murs. On tient quelque chose. Non, mais attends. Le mur supérieur. Est-ce qu'on garde pas ça juste là? Une grille d'aération par ici. Du bois joli par là. J'aime bien, mais moi j'aime bien le bois après, hein, donc j'ai conscience de ne pas être du tout partial. Je suis un mec qui aime bien bourrer et mettre du bois partout, quoi. Ouais, c'est vraiment pour créer un peu de variété que je fais ça. Oui, c'est bon. Ok. Donc ça, ce serait un peu la chambre type en termes de sol. On aurait ce bois-là. Ça tranche un peu de manière énervée. C'est pas forcément dingue. Un tapis un peu crème pour couper. On va mettre de ce côté-là. Et une peau de vache en descente de lit. C'est cher la peau de vache déjà, premièrement. Une couleur neutre non utilisée, un grand tapis, un petit gris dégueulasse. Je suis pas fan. Je suis pas fan du bourrage de tapis que je viens de faire. Très clairement. Clairement, on va pas le supprimer, celui-là on va le glisser par là en attendant qu'on lui trouve une utilité. Et toi, non, je pense qu'on en trouvera jamais aucune. Le tapis peau de vache, je suis pas certain. Voilà, ça me désolé, mais moi les peaux de bête, pour si c'est pas ours, y a rien qui me chauffe. Hein. Ça me chauffe pas du tout. Ours, c'est vraiment juste parce que les ours sont trop stylés. Et que la fourrure d'ours, du coup, c'est beaucoup trop stylé. Nos bourgeois... une petite plante d'intérieur, moi, ça me... Voilà, ça me... Hein ? Ça me fait des choses, voyez-vous. Des tableaux aussi. Alors, les tableaux, ça va devenir une nécessité. La question, c'est est-ce que les tableaux... Ah oui, un petit rideau, bien sûr. Est-ce que les tableaux, c'est genre à l'étage, genre de type tout court comme ça, genre on se fait une salle des tableaux ? Ou on essaie de glisser genre un tableau par chambre. Il y en a combien d'ailleurs? On va attendre 500 balles, comme ça on va pouvoir en racheter un. Déco. 1, 2, 3, 4, 5. Et on aura 6 chambres. Dommage. Il était presque. Hop. Quoi qu'après on a les tableaux du bas, on en a des gros qui traînent en bas. Ou c'est pas trop les mettre. À la limite, on pourrait les remonter. Maintenant, vu les couleurs des tableaux et vu les couleurs des murs que j'ai choisis, je suis pas convaincu de moi-même. Hein. Niveau couleur, on n'y est pas, quoi. Y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a que j'ai oublié d'acheter. 1, 2, je l'ai. 3, je l'ai. Mais c'est la jeune fille que j'ai oublié d'acheter. Voilà. Très bien, très très bien, très joli. 250 pièces d'or la nuit, ça vaut au moins ça, ma chalope. Je dis ma chalope ? C'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. Vert green ! Oh, le lit, on peut le mettre green ? On peut le greenie, le lit ? Alors non... Non, par contre, ça c'est terrible si on me laisse pas choisir la couleur du lit. Genre, la salle est verte, mais le lit gris, quoi. Enfin, le lit est rouge. Ça dégoûte un peu. Imaginez que le lit est vert. Pourquoi tu voulais pas me peindre ça? Autre
chambre n'a pas de porte. Comment ça? Ah ça connard, c'est une porte. C'est une porte ça, espèce de gros débile. Ah c'est parce qu'il perçoit ça comme des murs. Oh il m'a niqué ma déco parce qu'il perçoit ça comme des murs, comme si c'était une seule pièce. Oh le débilus. Bah viens moi ça. Voilà pauvre con. C'est bon? Cette pièce n'a pas d'armoire. Oui, bien sûr, ça je sens, on est au courant ça. Ça ma gueule, on est au courant. La science avance. C'est tout ce qu'on peut te dire à ce stade. Bon, un tableau de danse ça aurait été bien, mais de toute façon lit rouge, hein, lit rouge. Oh ça a tout niqué le lit rouge qu'on peut pas modifier. Oh le fait que je puisse. Oh ça a tout niqué. Ça a tout niqué. Ça avait une gueule, ça a plus de gueule. J'ai envie de faire un dortoir maintenant. J'ai envie de mettre juste des séparateurs comme ça avec des lits. Ta 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 ta. Comme un gros sac. Ouais ouais super cool. Que des plats principaux toute la journée, super. On voit tout. Servir que des desserts toute la journée. La journée du dessert. Allez, on y va. Ah, oh, ça m'a dégoûté. Ah, oh, ça m'a dégoûté. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, suppute. Ouais. Peut-être falloir que je mette pas fin à l'épisode. Et je vais essayer de réfléchir à ça. Ça m'a troublé. Ça m'a perturbé. Hmm. On va quand même boucler cette journée. Après, on peut toujours dessiner les pièces prévues. Donc l'idée, c'est qu'il y en a une ici. Et il y en a une là. Alors, est-ce qu'il y en a une là? Ouais, si, il y en a une là, j'ai pas le choix, parce que sinon, après, ça va marcher sur ce petit bloc-là. Ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Ah, sinon, on le sait comme ça. Un petit salon. Je passe par là, c'est très bien. Ça me permet de bouger quelques tables par ici. Regarnir, regarnir, regarnir. Hop. Toujours pas. Je vais vraiment modifier tous les prix. Hein. Voilà. On est fauché dans moins de 2. Et ben on a réussi quand même à faire la petite pièce des magiciens qui est pas si mal. Même si du coup j'ai presque envie de mettre en green les magiciens et de leur piquer leur papier peint rouge pour les étages. Hmm.
y a un carreau de sol stylé pour la cuisine. Alors là, c'est vraiment la province. Hein. Oh, la peinture de mur. Ah ben ça, par contre, on pourrait le mettre. C'est un peu moche. C'est un peu moche, puis ça fait un peu rideau. Mais, il y a du rouge. Carreau de sol, ok. Juste en train de regarder s'il y a quelque chose qui peut nous sauver la vie ou ça m'a tout foutu en l'air. Ça a tout détruit. Ça a tout détruit. Voilà. Bah, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour Taverne Master. Je vous dis à la prochaine. Ciao!